Bon, bah va falloir que je vous montre ça quand même un peu. On est à l'école vétérinaire d'Alfort. Et avant qu'il y ait ces grosses barrières et ces travaux, ici, là, il y avait de l'herbe et des fleurs. C'était le jardin botanique. Et ils ont tout pété pour faire un bâtiment, probablement, j'en sais rien. En ce moment, c'est un peu le chantier dans cette école, ils sont en train de tout refaire. Mais aller péter ce qui reste de verre pour aller faire encore des bâtiments administratifs ou des conneries du genre, ça commence à être un peu dégoûtant. Parce que bon, faudra pas venir pleurer après si les abeilles foutent le camp, hein. On va aller voir un peu plus près. Ah ouais, je me souviens de cette école où on apprenait aux étudiants, au milieu de ce jardin botanique, à reconnaître les médicaments. Vous voyez, il reste plus rien. Voilà. Voilà, tout qui est pété. Adieu les fleurs, faudra pas venir pleurer si les abeilles foutent le camp. Je vais juste vous balancer un chiffre, hein, pour résumer cette histoire quand même. C'est un département tous les 10 ans. C'est ce qu'on bétonne en France. Je vous dis que pour la biodiversité et tout ça, ça aurait été bien quand même que cette école veto montre un petit peu l'exemple. C'est pas gagné, hein.